Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Donc on va aborder dans cette vidéo le cas donc, de la personne âgée et le jeûne du mois de Ramadan. Personne âgée ou toute personne qui est atteinte d'une maladie chronique, donc qui ne peut pas guérir et donc qui ne peut pas, donc, que ce soit pour la personne malade et surtout pour la personne âgée, qui ne peut pas jeûner à n'importe quel moment de l'année. Parce que là, on ne parle pas uniquement pendant l'été où les jours sont très longs, parce que si la personne âgée peut rattraper même en hiver, parce qu'il se peut qu'uniquement elle ne peut pas jeûner pendant l'été, mais elle aurait pu pendant l'hiver. Et donc là, elle va rattraper pendant l'hiver. Donc là, bien sûr, elle devra rattraper. Mais là, on parle d'une personne âgée qui ne peut pas du tout jeûner pendant toute l'année, à n'importe quel moment de l'année. Donc bien sûr, étant donné qu'elle ne peut pas jeûner, donc elle ne jeûne pas. Et les savants ont divergé par rapport à la compensation. Est-ce que c'est une obligation de compenser en nourrissant donc un pot pour chaque jour non jeûné, ou c'est uniquement recommandé? Donc pour la majorité, ils ont dit c'est obligatoire, alors que pour les malikites, c'est uniquement recommandé. Donc la personne lui est recommandée de nourrir un pot pour chaque jour, donc une quantité de mout. Mout, c'est donc le contenu de ses deux mains, comme ça étendu, de nourriture, l'équivalent, donc la valeur est à donner donc, pour les pots pour chaque jour non jeûné. Donc voilà par rapport au cas donc, de la personne âgée concernant le jeûne du mois de Ramadan. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.